Pierre-Franck Sauzet. Le stade Jacques Chaban-Delmas à guichet fermé pour Bordeaux-Marseille. Ulrich Cramé, Franck Jurietti, Marc Planus, tous les joueurs sont là sauf du côté des Girondins. David Gemali blessé, Cyril Roll suspendu du côté des Marseillais. Barthez bien sûr et Meïté sont suspendus. Les Marseillais, alors on l'a dit tout à l'heure Franck, même si on reste avec, c'est vrai, le son d'Éric Poula, le gardien, l'arbitre de ce match. Franck, on l'a dit, le gardien c'est Jérémy Gavanon du côté marseillais. Une équipe aussi avec l'envie des Bordelais de marquer, c'est vrai. Une équipe de Marseille à vocation offensive. Oui, l'équipe de Marseille justement à vocation offensive, on l'a vu. C'est quand même Peggy Luyunula qui va jouer. Marley, Batles, Chirou, Fiorez à droite. Pedretti sera juste derrière. Donc on sent cette équipe de l'OM qui a envie justement d'aller chercher par une victoire une place en UEFA, même si on sait qu'il n'est pas un maître de son destin à l'heure actuelle, mais en tout cas des désirs offensifs affichés, c'est indéniable. L'arbitre du match, vous l'avez vu, avec les deux capitaines Éric Poula et puis les deux entraîneurs Éric Bédouet, puisque Michel Pavon est toujours souffrant, et Philippe Troussier, deux hommes qui se sont longuement entretenus tout à l'heure dans le paddock du stade Jacques Chaban-Delmas, qui ont joué ensemble deux saisons au stade de Reims dans les années 80. On l'a dit aussi, Franck, mais il faut le rappeler, cette équipe de Bordeaux doit absolument emballer le match. Elle ne doit pas compter sur les autres. Elle doit tout de suite mettre cette équipe de Marseille un petit peu dans sa poche, c'est-à-dire marquer le plus vite possible. Bien sûr, mais je pense que les deux équipes sont animées de ces intentions, Denis. Marseille aussi, dans leur cas, s'ils arrivent à mettre la pression d'entrée de jeu sur l'équipe bordelaise et la faire douter, on sait que le public bordelais est venu ce soir en masse, il faut l'admettre, mais il est aussi versatile, il attend beaucoup de cette équipe. Donc, deux équipes, à mon avis, je pense que ça devrait être un match en fait tactique à ce point de vue-là. Vincent Alix. Oui, avec Éric Bédouet. Quel a été le discours, les derniers mots dans les vestiaires tout à l'heure, Éric? Je crois qu'il faut rassurer les joueurs parce que c'est un match compliqué. Notre saison, on va jouer pratiquement sur un match. Donc, il faut essayer de les rassurer, de garder tous les éléments qu'on a travaillés, qui sont simples, qui sont essayés d'être rigoureux dans le jeu, de bien se positionner, de ne pas se mettre de pression supplémentaire parce que c'est un match qui va être difficile. Le début de match? Le début de match est important, on ne fait pas n'importe quoi, il faut se rassurer, il ne faut pas s'emballer, il faut rester un petit peu bien groupé et puis petit à petit faire monter la pression tout doucement. Deux équipes, Franck aussi, qui sont un petit peu dans le flou, hein, que ce soit dans le présent, dans l'avenir, dans les coulisses, que ce soit à Bordeaux avec Jean-Claude Darcheville ou à Marseille, on ne sait pas trop où ces deux clubs vont aller la saison prochaine. Non, c'est vrai, Denis, c'est pour ça justement que les joueurs doivent vraiment se concentrer sur ce match. C'est un match très intéressant à jouer. D'un côté, on évite la relégation, de l'autre côté, on va chercher une place en UEFA, donc beaucoup d'intérêt ce soir. Les deux clubs qui n'ont pas gagné depuis 8 matchs, depuis le 12 mars dernier. C'était Bordeaux-Saint-Etienne pour les Bordelais 2-0 et puis Marseille-Lens 2-1 avec un doublé de Steve Marley pour Marseille. Coup d'envoi qui sera donné dans quelques instants par Monsieur Poula. Il fait très très chaud aussi, Franck, c'est un paramètre important bien sûr dans un match pareil. C'est étouffant, nous sommes en fin de saison, mais en fait au mois de mai comme ça, c'est une chaleur étouffante. Les organismes risquent de souffrir, surtout en deuxième période. Là ça va aller, les joueurs vont jouer sur leur fraîcheur, mais c'est effectivement à prendre en compte. Laurent Batles qui s'est longuement entretenu avec le président Trio. Oui, Vincent. Voilà, on est sur le banc marseillais avec Philippe Troussier. Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs sur ce début de match dont on sait qu'il est très important aussi pour Bordeaux? La preuve de notre succès, c'est bien sûr la victoire. Donc être invité par des intentions offensives, parce qu'on se doit de gagner si on veut espérer d'être européen ce soir. Donc on sait en même temps qu'on va jouer une équipe qui bien sûr elle joue sa survie en première division. Donc c'est un match qui va être très disputé, mais nos intentions seront j'espère aujourd'hui très, très récompensées. Ça se voit tout de suite, merci Philippe. Ah oui, avec un match qui est parti à 100 à l'heure pour les Marseillais et presque une occasion pour Steve Marley d'aller défier Ulrich Cramé, mais il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux dans son contrôle et les Bordelais en ont profité, heureusement pour eux, avec Mavouba qui a décalé sur le côté, le jeune Marange Meriem qui redonne à Riera et finalement c'est une protection de balle David Bey qui a été avec Fabien Barthez. Pour constater qu'après 7 minutes de jeu, Monaco chip la deuxième place, revient à hauteur des Lillois. Même nombre de points, différence de but favorable néanmoins aux Lillois, toujours deuxième pour l'heure. On retourne à Bordeaux, Denis Franck. Avec un coup franc au bénéfice de Fabrice Fiorez qui a été accroché par Rio Mavouba. Oui, un tacle un petit peu en retard justement de Rio Mavouba. En tout cas à l'heure actuelle, en ce début de rencontre, on a vu dans un premier temps Marseille essayer de bien engager, d'aller chercher dans l'espace de façon à presser.
mais les Bordelais ont su intelligemment se ressaisir, je dirais, remonter. Et à l'heure actuelle, il y a Meriem qui touche beaucoup de ballons, on le voit bouger, il offre des possibilités à ses partenaires et surtout il organise le jeu. Taïwo qui cherche Steve Marley, il l'a trouvé. Steve Marley qui fait son retour dans cette équipe marseillaise avec le centre de Marley, repoussé par Capsis. Planus maintenant qui a laissé à ramer une petite mésentente avec son gardien. Attention aux fautes de concentration. Je prends place en bordelais, vous les avez vus avec Bruno Chérou, un de ses premiers ballons. Bruno Chérou rattrapé par Lasland. Bruno Chérou qui essaye d'ouvrir vers Batles. Il y avait Planus, Meriem encore, Meriem, Lasland. Lasland qui recherche Faubert et Darcheville. Darcheville la frappe, tir croisé qui va aller mourir à côté de Jérémy Gavanon. Mais c'est bien pour Jean-Claude Darcheville, un petit peu la tête de turc du public bordelais qui se met en confiance. Bien par sûr, ce tir, même s'il n'est pas cadré. Un superbe ballon de Kamel Meriem, un ballon avec de l'effet. La course justement de l'attaquant bordelais était très très bonne, je veux dire sur le côté droit. Son tir est un peu écrasé et trop croisé. Mais c'est exactement le type d'action qui peut mettre en difficulté la défense marseillaise. Et Franck, un joueur comme Kamel Meriem qui a été au diapason de ses coéquipiers, c'est-à-dire assez mauvais quand même parce que cette équipe de Bordeaux est mal classée, on l'a vu. C'est le genre de match, Franck, où un joueur comme Meriem, avec toute sa technique, avec tout son potentiel, doit se montrer. Il l'avait fait contre Monaco, il est en train de le faire. Ça montre aussi à ses coéquipiers l'exemple qu'il faut suivre. Bien sûr Denis, mais en tout cas il est en train de réaliser un bon début de match. Kamel Meriem, il joue juste dans ses passes. Concernant vos premiers propos, c'est vrai que c'est toujours difficile lorsqu'on fait partie d'un collectif et qu'il y a du mal à s'imposer, de sortir la tête du lot en étant justement un joueur capable de faire la différence, en étant un individualiste. Donc on le sent revanchard, je dirais, sur ce début de rencontre. Meriem, là il s'est fait contrer par Taïwo, Bruno Chérou jusqu'à Batles. Batles en retrait avec Frédéric Déhu. On permute en ce moment du côté de Marseille, Denis, entre Batles et puis Pedretti. À tour de rôle, il y a un joueur qui vient chercher le ballon et l'autre l'appelle en profondeur. Et Marley avec Capsis. Bien sûr, ici au stade Jacques Chaban-Delmas, mais une équipe de Marseille, Franck, qui met un petit peu le pied sur le ballon, c'est-à-dire qui fait bien circuler la balle. Et on sent l'envie du côté des Marseillais de bien faire, de porter le danger vers la défense girondine qui est loin d'être très très sûre. On a vu Capsis quelquefois en difficulté. Oui, Denis, c'est vrai. On sent effectivement dans cette équipe marseillaise, on veut garder le ballon et essayer de trouver les attaquants dans des bonnes conditions. Bon, le petit reproche qu'on pourrait leur faire, c'est qu'il y a pas mal de latéralité à l'heure actuelle dans, je dirais, leur passe. Mais en laissant justement ouverts, sereins, ils sont en train de déployer leur jeu. Avec Meriem qui essaye de lancer Darcheville, mais il y a Taïwo, le rock défensif marseillais avec les remplaçants de l'Olympique de Marseille. On aperçoit Bamogo, Coquet bien sûr, et puis Pegar Fuxad, Laurent Spinozzi, l'entraîneur des gardiens entre autres, qui était sur le banc. Et Jean-Claude Darcheville qui attend lui les bons ballons. On l'a vu tout à l'heure frapper assez largement à côté de la cage de Gavanon, c'est vrai. Mais il attend pourquoi pas le déclic. Il avait marqué un but extraordinaire contre Saint-Etienne lors de la dernière victoire bordelaise ici. Meriem qui redonne à Mavouba, le seul joueur de champ qui a joué tous les matchs. Riera, fin de centre. Le voilà, le petit centre dosé pour Lasland. La tête qui ne lope pas Jérémy Gavanon. C'était une tête placée, puis un drapeau surtout qui était levé pour sanctionner une position de hors-jeu. Oui, sur ce centre, on voit très nettement qu'il y a Lasland et est hors jeu. Maintenant, concernant Bordeaux, Denis, on les sent aussi très concentrés dans le domaine défensif. Le bloc collectif fonctionne bien. On ne veut pas surtout se découvrir et prendre un contre. Et c'est eux-mêmes, les Bordelais, à l'heure actuelle, qui jouent finalement. Avec l'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux. Et c'est le meilleur buteur en activité du championnat, Lilian Lasland, qui frappe de la tête un centre de Riera au geste technique magnifique et précis. Lasland qui ouvre le score pour les Bordelais, 1-0. C'est le but de la délivrance face à une équipe de Marseille apathique sur ce coup-là. On va revoir avec François Charles Bidot le ralenti. Franck, ouais, quelle action girondine. Surtout, belle ouverture de Rio Mavuba. Et là, regardez le travail, regardez l'artiste. Passement de jambes, on embarque sur la droite, on revient sur la gauche. Et ce centre du pied gauche qui est littéralement déposé sur la tête de l'avant-centre, vous l'avez dit, le meilleur buteur en activité, Lilian Lasland. Il se couche, tête décroisée avec un rebond. C'est magnifique dans la conception. Regardez ces images. Riera, ce superbe centre plat du pied, il ouvre le pied. Et c'est littéralement un cadeau. Il dépose le ballon sur la tête de Lilian Lasland. Superbe tête décroisée. Bien vu. Bien vu. 118e but en Ligue 1 pour Lasland. Et on a vu la collade avec Eric Bédouet et Dominique Rotzi. Bordeaux, Denis Balbir, Marseille revient dans le coup.
L'égalisation marseillaise par l'intermédiaire de Peggy Louyindoula. Peggy Louyindoula qui a profité d'une erreur défensive bordelaise et puis d'un bon service de Fabrice Thiorez. On va retrouver tout ça avec le président Trio, bien sûr, abattu. Peggy Louyindoula qui a marqué ce but. Regardez cette touche de Taïwo, Franck, et puis le bon travail de Thiorez. Exactement, le bon travail de Thiorez qui fait opposition. Il met son corps en opposition avec le défenseur. Bonne prise de balle également de Peggy Louyindoula et cette frappe du coup du pied croisé et qui bat le gardien bordelais. Et oui, une faute un petit peu de capsis sur Thiorez, une faute d'inattention de capsis, le grec, qui permet à Louyindoula d'égaliser. Bordeaux et Marseille qui sont donc à égalité à un but partout après 22 minutes et 18 secondes de jeu. Un but partout entre Bordeaux et Marseille. Tout est à refaire encore pour les Bordelais qui ont maintenant la touche avec Planus, servi par Jurietti. Une équipe de Bordeaux qui doit absolument, on a vu qu'en attaque, Jean-Claude Darcheville avait faim de ballon d'attaque, avait faim de confiance et de but, mais c'est maintenant Marseille qui est à l'attaque avec Bruno Chéroux qui conduit le ballon vers Steve Marley peut-être, alors que Louyindoula est en position de jeu. Bruno Chéroux qui n'a pas été accroché par Planus, c'est un tacle propre, une relance qu'il était aussi, mais jusqu'à ce que Pedretti écarte le danger, écarte ce ballon vers Steve Marley, peut-être une occasion marseillaise encore, avec Marley qui est en position de frappe peut-être dans cette trop latérale, et lorsque en plus il voulait passer ce ballon, et bien Bruno Chéroux était blessé. Récupération bordelaise qui n'en a rien à faire, que Bruno Chéroux ne boite pas parce que Jean-Claude Darcheville veut marquer un but encore. Jean-Claude Darcheville qui regarde le positionnement de Meriem, il l'a vu, Kamel Meriem, l'ancien de l'OM, qui va frapper. C'est une petite balle qui était à destination de l'Aslande, mais Pedretti était là à l'interception. Oui, on pensait en fait qu'il allait frapper au but. Eh bien, il a trompé tout son monde, il voulait adresser un centre à destination de Jean-Claude Darcheville. En tout cas, Marseille a marqué, allez, on va dire au bon moment, Denis, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que l'OM avait été réellement dangereux sur le but bordelais. Et c'est un but qui risque de leur faire quand même beaucoup de bien, surtout de les remettre un petit peu plus en confiance, parce qu'on ne les sentait pas réellement déterminés, surtout au niveau offensif. Pedretti avec Frédéric Déhu. Frédéric Déhu qui regarde encore le positionnement de ses attaquants, Bruno Chéroux. Denis, un coup d'œil sur le classement, hein. S'agissant de la Coupe de l'UEFA, c'est le statu quo complet. Les quatre clubs concernés font tous pour l'heure match nul. Avec une touche pour l'Olympique de Marseille. Une équipe de Marseille, c'est vrai, qui trottine un petit peu, mais qui s'est présentée une fois face à Ramé. Ça a été suffisant. Louyindoula, qui avait déjà marqué lors de la défaite marseillaise au Vélodrome contre Caen, a mis ce ballon au fond des filets. Taïwo, Planus. Marc Planus qui tente une relance propre vers la stand, c'est intercepté encore DU, mais Rio Mavouba est à la retombée, lui qui jouera le match amical France-Hongrie à Metz. Et Marange n'obtiendra pas la touche, c'est au contraire Ferreira qui va l'obtenir, cette touche pour cette équipe de Marseille qui, je vous le disais tout à l'heure, n'a plus gagné ici à Bordeaux depuis la saison 77-78. C'était le 1er octobre 77 sur le score de 2-1. Et depuis, 16 victoires de Bordeaux et 3 matchs nuls. Attention, avec la course de Steve Marley, toujours volontaire. C'est un ballon qui est sorti en corner, car il n'était pas sorti avant que Steve Marley le frappe. Et Planus a bien concédé le corner. Lévi Viano l'a signalé tout de suite à Eric Poula. C'est un corner pour l'Olympique de Marseille. Oui, Taïwo qui avait adressé un long ballon à Steve Marley. On pensait que la balle était perdue, mais c'est bien ce qu'il a fait. Bonne course, il s'est battu, centre, et il obtient le corner. C'est ce qu'aime, hein, ces valeurs de course, ces valeurs de volonté, c'est ce qu'aime le public marseillais, les supporters qui sont venus en nombre. Attention à ce corner de Batles avec une combinaison pour Pedretti. La volée, elle est écrasée, mais elle était quand même belle avec Faubert maintenant qui repart en contre. Faubert avec Meriem peut-être qui choisit la gauche finalement avec Riera. Oh, Riera qui rate le contrôle, le rebond lui a été fatal, et fatal également au contre bordelais. Ah, quel dommage, Denis, parce qu'en fait il y avait vraiment un superbe coup à jouer. On voit sur les images de François Charbonneau, effectivement, le ballon est un petit peu trop long, mais il y avait un 4 contre 3 à jouer côté bordelais. Bruno Chéroux, Thiorez, Pedretti. Ah, Pedretti qui touche beaucoup de ballons, hein. Il sent sa position est devant la défense et il distille le jeu, il fait jouer ses coéquipiers à l'heure actuelle. Encore Benoît Pedretti avec un ballon dans la profondeur. Peggy Louyindoula, Louyindoula, voilà. Ferreira peut-être qui est venu en soutien. Louyindoula qui va le rechercher, non, car il est serré par Capsis. Encore Louyindoula. Peggy Louyindoula qui tergiverse avec Pedretti.
Pedretti et Batless, les Bordelais qui jouent un petit peu leur jeu sur Louis Ndoula et sur Marley. Puis maintenant, bien sûr, avec le centre puissant de Taïwo. Fiorez, la volée et le but en direct de Fabrice Fiorez sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Éric Bédouet est abattu. La volée est tentée, elle est réussie. Elle trompe Ulrich Cramé. Marseille mène à Bordeaux 2-1. Son deuxième but de la saison avec Marseille, il avait marqué contre Nantes au stade de Vélodrome. Fabrice Fiorez et un but plein de confiance de Fabrice Fiorez. Denis, plein de confiance, la réalisation, la conclusion est magnifique, mais surtout le but de l'Olympique de Marseille est superbe. On a vu la balle partir sur le côté droit. Peggy Luyundula garder la balle, justement la conserver, ne pas la perdre. Un relais au milieu avec Pedretti. On écarte sur le côté, le centre de Taïwo. Et cette reprise-là, bien évidemment, du coup du pied avec un rebond un petit peu écrasé. Mais la balle est dans la trajectoire du but. Et ça fait 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Ça prouve, Franck, rapidement qu'il y a des choses à faire à Marseille. Parce qu'on voit Taïwo, qui est un des pensionnaires de Roland Gransard de la CFA. Ça prouve qu'il y a des bons jeunes. Il y a Nasri qui est dans le groupe aussi. Ça prouve qu'il y a des choses à faire à Marseille. Il faudrait gagner en stabilité. On l'a vu tout à l'heure avec Philippe Troussier et Pape Diouf côte à côte. On a envie de voir cette équipe de Marseille en haut de tableau. On a envie qu'elle soit solidaire. C'était une image forte tout à l'heure à l'arrivée des joueurs. Philippe Troussier, Pape Diouf côte à côte sur le banc. C'était une image importante, c'est vrai. Et on voit cette équipe de Marseille qui mène à Bordeaux. Ça veut dire qu'elle sait faire des choses, elle sait faire des exploits, elle sait jouer au ballon. Mais Denis Franck, pardonnez-moi, c'est aussi la constatation maintenant sur le banc bordelais. Éric Bédoué, d'ailleurs, depuis le début du match, demande à tout son groupe de participer au jeu. On a le sentiment qu'il sent que son équipe doute un petit peu en ce moment, même si elle est dans la surface de Guérin. Parce que pour l'instant, Marseille est bien quatrième du championnat, Denis. Marseillais quatrième du championnat qui continue sur leur lancée parce que cette équipe de Bordeaux est complètement sonnée par ce deuxième but encaissé avec Louis Ndoula pour Marley. Il n'y avait pas d'enjeu et Ulrich Cramé s'est jeté dans les pieds d'abord de Marley et en deuxième rideau, j'allais dire, il y avait Fiorez et Ulrich Cramé a réussi à prendre ce ballon. C'était vraiment un gros coup de chaud dans la défense bordelaise. Merci de l'époque Sosé, Bordeaux-Marseille. Et Marseille qui mène toujours sur le score de 2-1 ici au stade Jacques Chaban-Delmas. Mais les Bordelais ressortent un petit peu dans le match, reviennent un petit peu dans cette rencontre. On a vu tout à l'heure Jean-Claude Darcheville, on a vu Lastland, Meriem. Mais attention au contre marseillais parce qu'on sent qu'il y a de la qualité chez l'Olympique de Marseille. Une qualité offensive indéniable avec Louis Ndoula qui crochette. Louis Ndoula un petit peu serré par Yo Mavouba qui peut repartir avec Meriem. Oui Denis, on s'aperçoit que les Bordelais commencent à trouver les espaces dans la défense marseillaise. En plus les milieux arrivent en appui. Hierard qui a un double contact et un contre favorable, il va s'arracher pour avoir ce ballon, mais Ferreira est le plus rapide. Hierard va aller tacler le ballon dans les pieds de Ferreira. Hierard impérial ce soir qui essaye bien sûr d'emmener ses coéquipiers vers l'égalisation par ses gestes, par la manœuvre qu'il dirige, qu'il essaye de diriger avec Bruno Chirou maintenant. Bruno Chirou qui essaye de passer Marange. Guillaume Avouba qui a pu récupérer, mais Batley s'est servi hors jeu. Et en tout cas, les Marseillais, Denis, à l'heure actuelle, qui utilisent à merveille, on l'a dit, Benoît Pedretti, mais on voit des garçons comme Chirou également, qui commencent à participer au jeu offensif. Il y a beaucoup de permutations et ça complique la tâche, bien évidemment, des Bordelais. 13 buts marqués ce soir en Ligue 1, messieurs. Et on va aller récapituler ensemble avec Jean-Jacques M. Salem et son équipe. 13 buts marqués, 4-0-0, Strasbourg-Bastia, PSG-Rennes, Lyon-Nice, Nantes-Metz. Et des Marseillais qui essayent d'attaquer, mais Marc Planus est là pour le contrer, redonner à Capsis, le grec, auteur d'une bonne entame de championnat qui petit à petit a plongé avec ses coéquipiers une équipe de Bordeaux qui a connu par exemple un mois de janvier terrible, une position de hors-jeu signalée pour Jean-Claude Darcheville et Jérémy Gavanon. Et toute la défense marseillaise va pouvoir se dégager malgré les efforts de Jean-Claude Darcheville. Eh bien, pour l'instant, Bordeaux n'arrive pas à trouver l'ouverture pour essayer de revenir dans le match au niveau comptable. C'est vrai qu'il y a de la volonté, c'est vrai qu'il y a de la qualité, mais regardez, les Marseillais vont très très vite avec Marley, avec Louis Ndoula, même si là ils vont bénéficier de la touche, les Bordelais, pour se dégager. Marange avec Riera Mavouba regarde rapidement le placement de ses coéquipiers et il va servir Jurietti très loin vers Faubert, l'un des jeunes de la classe girondine. Meriem qui va au contact et au combat, mais Batless et Pedretti, le duo des milieux de terrain, est là pour le contrer et le contrarier dans ses essais répétés. Ferreira vers Batless, Laurent Batless, Ferreira, Pedretti. Et Pedretti qu'on retrouve encore, hein, Denis. Le métronome, vraiment, absolument. Son rôle, je dirais aujourd'hui, c'est vraiment devant la défense. On a l'impression qu'il évolue dans le rond central et il distille les ballons proprement. Il met son équipe dans la,
dans le sens du jeu, c'est bien ce qu'il fait à l'heure actuelle. Et puis à noter aussi, c'est important, l'ambiance qu'il règne ici, puisqu'il n'y en a pas du tout. C'est un match à guichet fermé, c'est vrai, mais les Bordelais, le public bordelais a été comme l'équipe, complètement sonné par le deuxième but. Et c'est vrai que malgré les encouragements assez timides du COP bordelais, tout le monde attend une réaction sur le terrain pour essayer de se reprendre un petit peu, mais personne n'y croit. Mais c'est le mot, Denis, ils ont été sonnés. Ah, ils ont été sonnés. Absolument, ils ont fait une bonne entame de match et Marseille a su se ressaisir à un moment, on le répète, où on ne s'y attendait pas. Mais ils ont marqué ce premier but et après, donc, le deuxième qui leur a fait très très mal. En jeu de Louis Ndoula. Bordeaux sonne, l'écart se resserre avec les premiers relégables. Oui, et puis l'un des adjoints d'Éric Bédouet, Pierrot Labatte, à l'oreillette, bien sûr, pour surveiller les scores qui évoluent de part et d'autre. Et c'est vrai que les Girondins de Bordeaux vont rentrer peut-être au vestiaire avec ce désavantage, Franck, et ça sera certainement très, très difficile. Le discours à la mi-temps sera très important. Et le mental va jouer énormément. Bien sûr, c'est vrai que c'est mal engagé à l'heure actuelle, Pierrot Labatte, pour les Bordelais. On les sent un petit peu, je dirais pas incapables, mais inhibés à l'heure actuelle. Ils ont du mal à évoluer. Marseille est bien en place aussi, les gênes considérablement. Ben, le discours à la mi-temps, ce sera à mon avis un électrochoc. Il faut vraiment aller au fond de soi-même, puiser dans ses réserves pour justement inverser le cours du jeu. Attention avec ce très très beau geste de Bruno Chérou vers Steve Marley, récupération de Rio Mavuba. Il en récupère des ballons une tonne dans cette première mi-temps avec Lastan qui est accroché par derrière, taclé par derrière sur Lilian Lastan, le buteur girondin pour l'instant du soir, un but très très important et un carton jaune pour Chérou, comme Fiorez en a eu un tout à l'heure pour le même geste, c'est-à-dire un tacle par derrière plus maladroit que méchant. C'est un coup franc. Oui. Pour Bordeaux. C'est vrai, Denis, je pense que vous avez raison, ce sont deux joueurs à vocation offensive qui viennent d'être avertis. Ils n'ont pas souvent, je dirais, l'habitude de se retrouver dans ce genre de position. Déjà, rien que de jouer, ils ont plus de la soupe. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Denis, mais en plus, bon, il y a un désir d'aller chercher le ballon sur le tacle. C'est plus maladroit, effectivement, qu'intentionnel. Coup franc de Riera. C'est un coup franc qui peut être important. Maman Philippe Roussier parlait à ses hommes. Riera qui essaye de distiller un bon ballon. C'est récupéré par Rio Mavuba. La frappe avec dans les gants de Jérémy Gavano. Une petite hésitation et un ballon capté malgré tout en deux temps. Et une relance sur Pedretti. Ouais, une pure merveille, cette frappe. Un pied gauche, regardez, demi-volée. La balle part droite comme un i. Ça commence à sentir un peu le roussi pendant ce ralenti. On va regarder la fin de cette belle frappe parce que c'est plus important qu'un carton jaune, mais il existe bien. C'est Lilian Lastan qui a été crocheté Benoît Pedretti et qui récupère aussi un carton jaune brandi par Eric Poula. Alors que Riera, lui, revient dans le rond central. Et premier changement, alors c'est dû à la blessure de Faubert. Qui se plaignait déjà de... Oui, hein, tout à l'heure, à l'échauffement, ouais. On l'a vu se faire strapper. La tête du Pironnet, ouais. Et c'est donc Francia qui apparaît juste avant la mi-temps. Francia qui va rentrer donc à la place de Faubert pendant que Lastan s'est fait avertir donc par M. Poula. C'est confirmé, une équipe de Bordeaux à la recherche d'un second souffle et qui aurait bien besoin de se faire soutenir un petit peu plus que ça par ses supporters venus en nombre pourtant. Marange, Riera, contrôle un petit peu long, mais il s'est vite rattrapé avec sa technique. Riera qui a appelé le soutien de Darcheville, il n'a pas été entendu et faute de faire signaler par M. Poula, ce sera très certainement l'une des dernières actions de cette première période pour les Girondins de Bordeaux. Une action qui peut être importante, on l'a dit tout à l'heure, des Girondins qui ont eu l'habitude quelquefois d'encaisser des buts dans le temps additionnel de la première mi-temps ou tout simplement du match. Ça coûte des points en fin de saison. Regardez par exemple le but de Batles en début de saison lors de la première journée. Il coûte tout simplement la peur au ventre pour les Bordelais dans ce match avec Francia. C'est bien rentrant, mais Frédéric Déhu s'est élevé au-dessus de tout le monde. Ça retombe sur Jurrietti qui veut redistiller un bon ballon dans la surface de réparation. Et Fiorez dégage avec en plus une faute sur Habib Bey. Monsieur Poula a sifflé. Encore une minute dans ce match. Alors on sentait, Franck, des Bordelais bien sûr crispés, on sentait des Marseillais très décontractés et finalement la décontraction a payé. Oui, pour l'instant le match n'est pas fini, mais c'est vrai, ils ont laissé passer l'orage, on va dire, des premières minutes et puis après, tranquillement, ils se sont installés dans la partie. Ils ont surtout essayé de construire leur jeu, ils ont été justes, précis dans leurs intentions et à l'heure actuelle, ils mènent à la marque et on sent qu'ils perturbent réellement les Bordelais. Les Bordelais ont de plus en plus de mal à l'heure actuelle en cette fin de première période. Inévitablement, je pense que la mi-temps va leur faire du bien. Francia, le tacle dans les pieds de Jurrietti, c'était Marley qui voulait récupérer un ballon dans la profondeur avec
un drapeau qui s'était levé pour sanctionner les positions de Marley, de Louis Ndoula, toujours à la limite du hors-jeu. Et là, ils étaient signalés en position de hors-jeu. De façon à permettre à le jeu d'évoluer. Ferreira, Meriem et M. Poula sifflaient la fin de merci. La première période. Merci sur ce Denis. Score. Marseille mène à Bordeaux 2. Tout de suite, le Parc des Princes, Éric Bénard, PSG Rennes. Aucun des deux coachs, ni Eric Bédouet ni Philippe Troussier, que ce soit à Marseille ou à Bordeaux, n'a opéré de changement. On va juste rappeler bien sûr que Francia est rentré juste avant la pause pour suppléer Faubert blessé. Et coup d'envoi donné avec Kamel Meriem vers Riera Lasland qui redonne à Riera, qui lui redonne encore Riera Meriem Lasland. Quel beau jeu là pour les premières secondes avec une tentative avortée puisqu'il y avait trois Marseillais autour des Bordelais pour se ressaisir du ballon. Fiorez et un ballon qui est sorti. En tous les cas, une belle tentative d'aller percer cette défense marseillaise pour les Girondins. Ouais, surtout, et c'est nouveau Denis, une tentative, je dirais, dans un jeu court, petit jeu, 1-2, ballon, espace réduit. Et peut-être que c'est la tactique effectivement de l'entraîneur bordelais pour cette seconde période. Il va demander à ses joueurs d'essayer de provoquer les joueurs marseillais balle au pied. Prendre l'espace à un moment donné, c'est sûr. Mais en première période, c'est vrai qu'on a vu cette équipe bordelaise usé, je dirais, des passes longues et ça n'a pas été non plus très concluant absolument. Ouais. Eric Bédouet a aussi demandé à Marianne Chamac d'aller se préparer et d'accélérer son échauffement. Il va peut-être très vite apparaître sur le terrain. Chamac qui avait remplacé Darcheville contre Monaco, qui avait marqué le but, l'ouverture du score contre les Monégasques, un élément très important, l'un des grands joueurs du championnat, hein, Marianne Chamac. Chérou, Taïwo. Taïwo face à Francia qui recule et un ballon vers Jérémy Gavanon. Dégagement de Gavanon sur le côté de Fiorez qui a été poussé lorsqu'il était en l'air. Fabrice Fiorez, il bénéficiera donc d'un coup franc sifflé par Monsieur Poula. Batles avec Ferreira. Fiorez encore. Meriem qui a pu récupérer. Capsis. Ramé, pressé par Fabrice Fiorez qui réussit à relancer jusqu'à Francia, mais Bruno Chérou a gagné son duel aérien. Jurietti était là derrière. Mavouba, Marley à la récupération. Taïwo, Louis Ndoula, Fiorez et finalement Marange pour Bey. Ouais, c'est dommage, les Bordelais sont un petit peu absents à l'heure actuelle sur le second ballon lorsqu'il est renvoyé par la défense. Et M. Poula revient à la faute car Batles a été balancé. Il avait laissé l'avantage dans un premier temps. Et il revient car Batles est touché. Il reste au sol. Ouais, c'est Rio Mavouba en fait qui est arrivé en retard sur l'impact. Dominique Dropsy, François-Charles Bidot a raison de nous le montrer parce que toute la semaine, ça a été l'un des hommes importants. Étant donné que Michel Pavon est toujours souffrant, l'un des hommes importants pour aller motiver les Bordelais à aller chercher absolument ces trois points de la victoire pour se maintenir sans souffrir et sans écouter les autres résultats. Ferreira, Pedretti, il n'y a rien de pire, Franck, dans un dernier match que de compter sur les autres. Ah oui, absolument. Absolument. Il faut être maître de son destin le plus possible. Ce n'est pas le cas ce soir pour les Bordelais. Francia. Francia avec un départ de Jurietti dans le couloir. Jurietti qui lutte avec Marley. Merci Denis. Et le Sporting Club de Bastia, Bordeaux-Marseille, les Bordelais ont-ils les moyens de réagir, Denis Balbia? Est-ce que vous sentez du nouveau dans ce match? Oui, ils ont les moyens de Marouane Chamac à la place de Darcheville et vous l'entendez, le public lui aussi le sent que cette équipe de Bordeaux peut refaire surface, mais il faudra pour cela Franck marquer très très vite car sinon les Marseillais vont faire comme tout à l'heure, attendre et venir menacer la cage du Drigue. Bien sûr, l'opération des Marseillais favorisée aussi par la victoire du Paris Saint-Germain sur Rennes, Denis Balbia. Attention avec la sortie d'Ulrich Ramé, une sortie un petit peu kamikaze vers ses partenaires défenseurs et Francia qui a pu dégager avec Lasland, Taïwo, Lilian Lasland, Franck qui est l'homme pour l'instant de cette deuxième mi-temps. C'est vrai qu'il y a Chamac qui est rentré, mais Lasland c'est un exemple. Il s'est fait marcher sur la main tout à l'heure. D'ailleurs, il marche le bras collé au corps. Ça veut dire qu'il souffre peut-être d'une fêlure du poignet parce qu'il a reçu vraiment une semelle involontaire bien sûr d'un Marseillais, d'un défenseur. Et il continue à se battre, il continue à montrer l'exemple, il continue à y croire. Bien sûr Denis, souvenez-vous de l'action, il est allé mettre la tête où certains joueurs ne mettent même pas les pieds, je dirais. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on sent un Bordeaux beaucoup plus déterminé.
l'entrée de Marouane Chamakh. Il est là, Chamakh, le contrôle, le pénalty pour le tacle par derrière de Bey sur Chamakh qui allait se présenter face à Gavano. Pénalty pour les Girondins de Bordeaux, obtenu par le Marocain international Marouane Chamakh. Se présenter face à Jérémy Gavano. Il y avait Barthez dans les buts pour arrêter un pénalty de Chabani Nonda il y a quelques semaines. Riera avait raté face à Kassar qui avait arrêté pour les Girondins. Et regardez Marouane Chamakh qui va parler aux soigneurs récupérés. C'est le long de la touche. Monsieur Poula, de toute façon, n'a pas hésité un seul instant alors que les supporters marseillais qui ont fait le déplacement commencent à sortir les fumigènes, pourtant interdits bien sûr et bannis des stades. Kamel Meriem, sans doute, va se présenter pour aller essayer de tromper Jérémy Gavano. Kamel Meriem, lui, l'ancien Marseillais, alors que des Marseillais, notamment Fiorez, Bey et d'autres, sont en train de discuter avec Monsieur Poula. Jérémy Gavano qui se prépare pour ce tir au but, discussion un petit peu âpre qui s'envenime entre l'Aslande et Fabrice Fiorez qui est venu à tort, c'est vrai, discuter la décision de l'arbitre. Monsieur Poula a pris sa décision dans le dixième de seconde nécessaire, il l'a fait, c'est trop tard pour revenir là-dessus. En tous les cas, il y a bel et bien pénalty. Alors devant le ballon, Jurietti, Meriem sont en train de discuter pour aller tromper Gavano. Ulrich Ramé, le capitaine des Girondins, est allé se présenter vers le groupe. On revoit la faute encore ici de Bey sur Chamakh qui est en l'air et qui est indiscutablement déséquilibré à ce moment-là, Franck. Oui, effectivement, oui, c'est un tacle un petit peu à l'aveugle de la part de Bey. Il ne voit pas le joueur bordelais venir dans son dos. Il est un petit peu juste. L'arbitre prend sa décision. Il siffle pénalty. Le pénalty. Monsieur Poula regarde si tout le monde est bien en dehors de la surface de réparation. Meriem très concentré sur ce ballon. C'est un ballon extrêmement important. C'est le ballon du championnat. C'est le ballon du sauvetage pour les Girondins de Bordeaux. C'est le ballon de l'année. Kamel Meriem face à Jérémy Gavano. Meriem qui s'élance, qui frappe et qui marque. C'est la délivrance au stade Jacques Chaban-Delmas. Kamel Meriem qui remet les Girondins dans le coup. Bordeaux et Marseille sont à égalité. Deux buts partout et pour l'instant Bordeaux reste en Ligue 1. Ouais, pénalty de Meriem. Donc il prend sa responsabilité. Frappe coup du pied dans l'axe. Légèrement sur la gauche de Gavano. Ses buts, mais surtout ce pénalty, on va dire, allez, symbolise un petit peu le nouvel état d'esprit de ces Girondins de Bordeaux depuis la rentrée de Chamakh. On l'a dit, c'est un joueur qui pèse énormément à l'heure actuelle sur la défense marseillaise, et surtout les Marseillais à l'heure actuelle n'ont pas la possibilité de ressortir le ballon. Ils sont beaucoup trop bas dans leur moitié et s'exposent, on l'a vu, à des fautes, et en l'occurrence ce pénalty sifflé sur Chamakh. Et merci de... Oui, ça sent la folie ici au stade Jacques Chaban-Delmas. Tout le monde est bien sûr très heureux ici que les Bordelais soient revenus dans la partie. À noter que Ndiaye a remplacé Batles et qu'à l'instant Fabrice Fiorez sous les sifflets sort du terrain en applaudissant le stade Jacques Chaban-Delmas. Il est remplacé, il me semble, par Habib Bamogo. Voilà, c'est certain maintenant. Bamogo qui rentre, Ndiaye qui rentre. Deux changements opérés par Philippe Troussier pour redonner peut-être un souffle nouveau à l'Olympique de Marseille qui doit se battre maintenant pour essayer d'aller marquer un but à Ulrich Ramé. Mais ce sont les Bordelais galvanisés par ce pénalty marqué par Meriem. Il avait déjà marqué un pénalty cette saison au Parc des Princes pour ramener un point avec ses Girondins de Bordeaux. Et Kamel Meriem donne l'exemple. On aura beaucoup parlé de confiance, d'exemple à donner. Mais ce sont ces joueurs-là, Meriem, Lasland, qui doivent le faire avec Yoma Vouba aussi. Pour Marange, le jeune stagiaire des Girondins de Bordeaux qui essaye de trouver Riera face à Demetrius Ferreira. Riera qui s'est un petit peu emballé dans ses poussées, c'est vrai. Et Monsieur Poula a sifflé un coup franc pour les Girondins de Bordeaux. Non, ce sont pour les Marseillais, bien sûr, avec Pedretti. Pedretti, Mavouba dans l'espace. Chamakh a eu une occasion en or tout à l'heure de marquer un troisième but. Attention à Meriem pour le centre, peut-être. Kamel Meriem qui va essayer de donner à Riera. Voilà qui est fait. Il a regardé le centre. L'Aslande était là. Beyrou Mavouba pour le contrôler la reprise. C'est un ballon que convoitait l'Aslan. Encore Mavouba, un petit peu accroché. Et Bamogo qui repart. Toujours Marseille et Bordeaux à égalité. Deux buts partout. Mavouba est accroché par Bamogo. C'est un coup franc pour les Girondins. Oui, Denis, à l'heure actuelle, les Marseillais qui... Oui, avec cette faute... Et des Marseillais qui perdent le ballon à des endroits clés du terrain, justement, dans la phase de construction, de récupération. Donc ça donne des bons ballons aux Bordelais pour contre-attaquer. Merci.
Myriam, Francia côte à côte. Myriam et Francia pour jouer ce coup franc. Ce sera Francia qui va donner à Myriam pour centrer, peut-être pas, pourquoi pas au cordeau avec un centre qui, un ballon qui est sorti avant de revenir sur la pelouse. C'est signalé par Nelly Vienno, assistante de Monsieur Poulard. La Coupe de l'UEFA. Oui, et c'est pour ça Stéphane, et c'est pour ça Franck, que Philippe Troussier a opéré son troisième changement. Et sur la pelouse, il y a 11 Marseillais et il y a la moitié d'attaquants. Oui, absolument, il faut impérativement marquer. Alors qu'il y a un petit incident entre Jurietti et Bamongo. On revoit sur le ralenti ce qui s'est passé avec un coup de coude de Jurietti à Bamongo. En tous les cas, Bamongo s'est relevé, c'est le principal. Oui, on disait, une équipe de Marseille qui veut chercher les trois points et la victoire. Bien sûr, Denis, mais vous savez, comme moi, qu'en football, ce n'est pas parce que vous allez additionner des attaquants que vous allez forcément marquer des buts. Ce que l'on constate lors de cette seconde période, c'est que Bordeaux est mieux organisé, surtout utilise le ballon admirablement bien. Oh oui, avec Riera qui a fait un cavalier seul, est-ce qu'il va pouvoir donner convenablement à Francia qui rate complètement sa frappe. Il avait fait tout le travail en solitaire, l'Espagnol Riera, mais Jurietti a pu récupérer avec Francia. Il y a Lasland qui attend le ballon et Jurietti l'a vu, Jurietti qui va pouvoir centrer. Le centre est repoussé par Frédéric Déhu et Francia est à la lutte avec Bamongo. Il y a un contre-favorable qui lui profite bien sûr avec Rio Mavouba pour Kamel Meriem maintenant. Meriem qui va effacer. C'est son vis-à-vis donné à Riera. Riera peut-être pour écarter sur Marouane Chama qui préfère y aller tout seul. Riera est porté ce ballon. Pressé par Coquet, par un défenseur marseillais qui est Ferreira qui a pu lui rejeter de Chama et de Francia. Le public qui porte son équipe maintenant avec Marouane Chama qui va défier Taïwo. Marouane Chama, le petit geste technique dans la surface de réparation. Francia qui va pouvoir lui redonner. Chama qui va pouvoir centrer. Meriem, la frappe, elle est contrée encore par Frédéric Déhu. Et Lasland qui se bat à la course pour avoir ce ballon. Lilian Lasland. Riera. Mavouba face à Ferreira, un gros pressing bordelais. Ouais, gros pressing et surtout ce que font très bien les Bordelais par rapport à la première période, ils ont littéralement annihilé Benoît Pedretti. Dès que Benoît Pedretti reçoit un ballon, il est pressé, il n'a pas la solution. Bien souvent, les Bordelais récupèrent la balle dans un endroit précis et après, à ce moment-là, ils repartent et ils sont dangereux. Bamongo. Coquet avec Bamongo qui convoitait cette balle, Coquet qui se précipite, Planus qui essaye de faire le tour de Coquet et de relancer, mais il y a Bamongo sur la trajectoire, Bamongo qui peut centrer, Capsis, Mavouba, Meriem. Pour l'instant c'est un record dans l'histoire du championnat puisque Bordeaux est en train de concéder son 20e match nul dans l'histoire du championnat. Ils avaient égalé les Monégasques l'autre jour et là ils les dépassent. C'est plus que la moitié d'un championnat pour des Bordelais qui quelquefois ont fait des nuls spectaculaires, 3-3 par exemple contre Nice, mais quelquefois de piètres résultats, c'est vrai, on l'a dit répété, un ballon qui est sorti au profit des Marseillais, toujours 2-2, toujours cette équipe de Marseille qui doit aller marquer, qui doit aller titiller la défense girondine. Bien sûr, et qui doit jouer très certainement pour arriver à marquer ce but beaucoup plus haut, trouver des appuis sur les attaquants. Franck, à un quart d'heure de la fin du championnat 2004-2005, Rennes est 4e, Marseille 5e, Saint-Etienne 6e, Lens 7e, Rennes est en UEFA, Marseille, Saint-Etienne, Lens en Coupe Intertoto. Le point maintenant sur le bas du classement, Bastia, Caen et Istres sont à un quart d'heure de la fin du championnat, relégués en Ligue 2. Taïwo face à Francia, Taïwo qui est passé, le ballon qui va très très loin, qui va sortir. Au grand dam du joueur marseillais, Éric Bédouet, peut-être en pleine réflexion pour effectuer d'autres changements. Il communique avec Dominique Dropsy. Regardez ses regards, très belle image là de François-Charles Bidot. Les incertitudes du coach, la réflexion du banc bordelais. Ouais, c'est vrai que depuis 5 bonnes minutes, Éric Bédouet se demande et demande surtout à Dominique Dropsy qu'est-ce qu'il faut faire. Et Dominique Dropsy dit calmons-nous, on a le temps encore. Oui, absolument, c'est bien vu, je pense. Parce que pour l'instant, c'est Bordeaux qui a la maîtrise du jeu. Avec une récupération dans les pieds de Louis Ndoula, mais il y a faute de Planus dans les pieds de l'attaquant marseillais. Monsieur Poula l'a vu et il a sifflé un coup franc au profit de l'OM. Ouais, c'est un coup franc. Les deux pieds en avant sur Peggy Louis Ndoula, effectivement, c'est une faute. Avec Benoît Pedretti face au capitaine des Girondins, Ulrich Ramé, auteur d'une parade exceptionnelle l'autre jour. Face à Monaco, Pedretti. C'est un ballon à une trajectoire curieuse. Et surtout, ça va profiter aux Marseillais. C'est Marange qui l'a éloigné. Ce ballon touche pour l'Olympique de Marseille. Avec Taïwo.
Taïwo dans la surface de réparation, donc ce soit Pedretti qui est recherché. Le voilà, Taïwo pour une fin de centre. Il va avoir du mal face à Francia qui a repris le contrôle des opérations. Un ballon qui n'est pas sorti mais qui fait faute. C'est Taïwo qui est sanctionné par M. Poula. En tous les cas, pour l'instant, à l'heure qu'il est, alors qu'Éric Bédouet demande peut-être aussi au public de manifester et aux joueurs de se surmotiver. En tout cas, Franck, c'est une déception. On l'a vu au classement, Marseille qui jouerait l'Intertoto. On est très loin des objectifs annoncés en début de saison. On est très loin des objectifs, c'est vrai, Denis. Maintenant, Lille l'a prouvé également aussi. On peut, par l'intermédiaire de l'Intertoto, faire un bon parcours à la fois en championnat et en Coupe d'Europe si on se qualifie. Mais c'est vrai que c'est très très loin des, je dirais, des ambitions affichées en début de saison de la part de l'Olympique de Marseille. Jurietti. Je suis avec Bruno Chéroux. Denis, qu'est-ce qu'il faut, Bruno, pour que Marseille reprenne la conduite du match? Il faudrait qu'on arrive à déplacer le bloc un petit peu plus haut pour soutenir un petit peu plus nos attaquants et essayer d'être plus dangereux. Je pense qu'on a moyen de marquer ce but qui nous ferait tant de bien. Lanus qui va frapper ce coup franc donné à Jurietti. Les Bordelais qui cherchent peut-être à s'appliquer un petit peu comme ils l'avaient fait en tout début de seconde période, à moins balancer, comme vous le soulignez tout à l'heure, Franck. Ils essayent de trouver des soutiens avec Riera. Mais Riem, le geste technique, M. Poulet était sur la trajectoire et surtout il revient à la perte de balle à la faute commise sur Riera. Ce sera encore un coup franc au bénéfice des Girondins de Bordeaux, un coup franc important. Important, aussi dangereux, puis surtout, ça dénote aussi un état d'esprit. Ce sont des coups francs qui usent une défense, parce qu'il faut être extrêmement vigilant sur un ballon qui va fuir certainement, les trajectoires vont être coupées. Meriem qui a regardé justement cette trajectoire, comment elle pouvait être coupée. Gavanon qui va au contact et qui prend ce ballon avec beaucoup d'autorité et de sang-froid. Oui, c'est bien. Info à l'actu, Bordeaux-Marseille, Denis et Franck. Des Marseillais qui essayent par à coup, c'est vrai, d'aller menacer cette cage bordelaise. On sent que cette équipe de Marseille, c'est grave pour Bordeaux, peut arriver à marquer un but. Mais c'est vrai, Denis, on est un petit peu là dans la configuration de la première période quand Marseille est parvenu à marquer. Il y a beaucoup plus de mobilité, je dirais, dans le milieu. On vient chercher les ballons, on permute et c'est en train de créer des problèmes à l'équipe bordelaise. L'équipe de Marseille qui récupère encore par Sylvain Ndiaye ce ballon, retransmis jusqu'au capitaine Frédéric Déhu. Déhu dans la profondeur, Lewin Doula qui était passé et qui est encore accroché par Marc Planus. Ce sera un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Il aura un carton jaune, Marc Planus, en grande difficulté dans ce match. C'est une main. Main, je pense. Mais en plus, c'est Peggy Lundula qui avait raté son contrôle. Et finalement, tout en le ratant, mais il a pu essayer de contourner le joueur bordelais qui lui a été surpris, a mis la main. Coup franc très, très important. On connaît évidemment la qualité de frappe de Frédéric Déhu, de Pedretti aussi. Les deux hommes sont côte à côte, peut-être la frappe du capitaine Frédéric Déhu, alors que le mur doit reculer à distance réglementaire. Monsieur Poula essaye justement d'appliquer cette règle. Frédéric Déhu face au mur et face à Ramé, c'est bien parti. Et Ramé qui sort le grand jeu et qui des deux points éloigne le danger pour l'instant avec Marange. Il n'y aura même pas de corner. Ce sera une touche. Et c'est vraiment bien joué de la part de Frédéric Déhu. On s'est vite joué hein, par les Marseillais. Cette fois, Ulrich Ramé va pouvoir se dégager. Ouais, c'est un coup franc intelligemment tiré. Regardez, il ne prend pas beaucoup d'élan, donc ça suppose qu'effectivement, il peut passer le ballon par-dessus le mur. Il choisit côté gardien en fond. Benny Balbir. Le but du maintien, il est là, marqué par les Girondins de Bordeaux sur une action exceptionnelle, collective, de Marouane Chama qui offre un ballon de but à Francia, il me semble, on va vérifier tout ça. Mais les Girondins de Bordeaux, regardez, les Marseillais sont à terre, ils savent qu'à quasiment 5 minutes de la fin du temps réglementaire, c'est terminé pour les espoirs. Regardez, Franck, quelle action. Oh, quelle action, regardez, il est à la lutte, Chama qui a ébahi quand même, regardez, hop, crochet, il revient, un petit ballon derrière comme ça, et cette frappe du coup de pied, on dirait, extérieure légèrement. C'est magnifique, et quel rôle encore de Chamac et Francia. Regardez, extérieur du pied droit, un premier poteau, ras du sol du poteau. Et un but superbe de Bordeaux qui donc maintient les Girondins de Bordeaux bien sûr en Ligue 1 et qui enfonce les Marseillais dans leur volonté d'aller décrocher un billet en Coupe de l'UEFA. Merci Marseillais, Denis Balbir. Oui, pénalty pour l'Olympique de Marseille pour une faute dans la surface de réparation bien sûr sur Coquet, regardez.
Lanus était au contact et ça semble extrêmement sévère, oui, sur l'image. Pense, effectivement, oui. En tout cas, Coquet est tombé dans la surface. Monsieur Poulain n'a pas hésité une seule seconde. Deux pénaltys dans ce match. Et l'occasion pour l'Olympique de Marseille d'égaliser avec 5 pénaltys encaissés pour les Marseillais cette saison. Et un seul marqué à l'extérieur à Caen par Bamogo. Peggy Louyindoula face à Ulrich Ramé qui a le ballon d'égalisation à 3 partout pour Marseille ici à Bordeaux. Louyindoula, et c'est le but pour l'Olympique de Marseille qui égalise. 3 buts partout entre Bordeaux et Marseille.